Comment on a entraîné Boris? En fait, lorsqu'il faisait les sons, on récompensait avec de la nourriture jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il devait le faire sur commande. Et là, il y a quand même une bonne panoplie. Donc, on va faire entendre ça dans quelques secondes. C'est une petite parenthèse en anglais. So, the volunteers live in large groups and they love to communicate with each other. And train Boris to do a lot of songs on cue. On est parti? On est parti. Donc, les premiers sons que vous allez entendre, d'abord, comme on disait, là, ils parlent vraiment beaucoup vocalisés, surtout les mâles. Donc, les femelles, d'habitude, ils en font un, peut-être deux, peut-être trois, mais ça, c'est plus rare. Tandis que les mâles, à l'âge adulte, ça va en faire une quinzaine de sons différents. Donc, le premier son que vous allez entendre, c'est le son de base que les femelles font aussi. C'est le son de communication, en quelque sorte. Donc, les prochains sons que vous allez entendre, c'est plus sa gamme de reproduction. Donc, il va y avoir beaucoup de sifflements, beaucoup de chants. Donc, c'est des sons plus doux pour attirer les femelles. Donc, souvent, ce qu'on fait, ils vont se placer dans l'eau. Ils vont crier, siffler après les femelles pour qu'ils viennent les rejoindre dans l'eau. Mais Boris, est-ce que c'est une bonne idée de siffler après les femelles? Donc, le prochain son que vous allez entendre, c'est un son qui est très subtil. Dans le fond, il va gonfler une poche qui est au niveau de sa gorge, qu'on appelle le sac pharyngien. Donc, il va gonfler cette grosse poche-là, il va s'en servir un peu comme caisse de résonance. Ça voyage très bien dans l'eau, ce son-là. Ça va un peu sembler comme un chant de baleine. Vous allez voir, c'est vraiment très beau. Donc, soyez très attentifs.